c'est une ressourcerie qui a une spécificité, la réparation, transformation de mobilier, où on trouve de tout, de la vaisselle, des bouquins à 50 centimes, des vêtements, et aussi un petit peu de meubles transformés ou détournés. À la base, quand on a créé cette association, c'était aussi la volonté de transmettre aux gens des savoir-faire et les sensibiliser au fait qu'on peut réparer, on peut transformer plutôt que de jeter. Donc on fait beaucoup de customisation, on fait des assises de chaises avec des cravates, avec des pneus, on fait des poufs. On a une bénévole qui est depuis le départ dans la collecterie, qui est retraitée de la haute couture. Elle venait tous les jeudis et s'est greffée à elle d'autres bénévoles qui sont maman au foyer, soit en recherche d'emploi, mais ça leur fait du bien de sortir une journée par semaine, faire autre chose que écrire des CV. Et du coup, c'est vraiment un échange. Aussi bien nous, on apprend aux autres que les bénévoles qui nous apprennent aussi des choses. Je pense qu'on peut encore changer les choses et faire en sorte qu'on puisse sensibiliser les gens au fait que tout n'est pas perdu. On peut réduire les déchets, on peut réduire les gaz à effet de serre, on peut faire du lien en faisant du bénévolat dans une assoce plutôt que de rester chez soi. Enfin voilà, tout est possible.